Et oui, salut tout le monde, c'est Deglon22, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Famille Simulator 2015 pour l'épisode 14 de la série sur les chaises. C'est parti. Et donc voilà les amis, aujourd'hui on va aller moissonner du colza. Donc on a un tout petit champ là, donc on va mettre on va mettre comment qu'on fait déjà j'ai oublié la commande mince, ça commence bien déjà. Oui, ok, c'est ça, voilà, hop, on va mettre ça tranquillement vu que de toute façon on va aller chercher une benne maintenant. Tiens, on prend le tracteur là. Donc du coup aujourd'hui on va aller moissonner un petit peu de colza vu que je sais pas. Je sais plus. Ah si, voilà, voilà, c'est bon. Je sais que je voulais faire, mais en fait, je pouvais tout simplement pas le faire parce que bah ça prend quand même beaucoup de temps. Et je voulais faire la laine et faut en faire pas mal. Et comme j'ai dit, bah ça prend beaucoup de temps. Et là, c'est pas. Oh là, je crois qu'elle était pleine. D'accord, donc là, je pouvais pas trop, mais bon. Pourtant, je dis que je suis en vacances, mais bon, là, c'est. Pas forcément beaucoup de temps, mais bon, après, je vais quand même essayer de faire ça, parce qu'un épisode de laine, quand même, ça pourrait être sympa. Par contre, monsieur l'ouvrier, enfin, c'est parce que je veux pas de vous, mais en fait, si vous faites n'importe quoi, ça va pas le faire, tu vois. Ah ouais, non, okay, c'est la buse, en fait, qui a tapé dedans. Bon, vous savez quoi, hop, on va aller, hop, on va enlever ça. On va rouler sur les clôtures, c'est pas trop dérangeant, par contre, ouais. Un peu mal placé, bon. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo de présentation de map vous aura plu. Hein. N'hésitez pas, pardon, à me le faire savoir dans les commentaires. Et en laissant un like sur cette vidéo-là. Enfin, si, vous pouvez bien sûr laisser un like sur cette vidéo. Mais à me le faire savoir surtout sur l'autre vidéo, celle où je présente la map. Parce que je vois qu'il y avait quand même, je sais plus trop combien de likes. Mais je crois qu'il y en avait une quarantaine, ça c'est sûr. Donc c'est pas mal, je suis assez content. Je suis content que ça vous ait fait plaisir, pardon. Je pense que je recommencerai parce que j'ai quand même pas mal de maps sur mon PC qui sont assez belles et pas forcément très connues. Donc je pense que je vous les présenterai plus tard. Hein. Peut-être une pour la semaine prochaine, mais je suis pas sûr. Mais à voir, ouais. Et de toute façon, je pense qu'il va être temps que je change de map pour les carrières. Parce que les chaises et la ferme du pain, il n'y a plus trop de choses à faire dessus. On commence à faire le tour. Là je refais de la moisson. Bon, c'est pas vraiment ce que j'aurais voulu faire en priorité, mais bon, j'ai encore jamais fait de moisson de colza, je crois, donc j'en fais. Mais ouais, je pourrais par exemple faire des patates ou des betteraves, je sais plus ce que j'ai fait. Ah, j'ai fait les patates, donc je pourrais faire les betteraves par exemple en multijoueur, pourquoi pas. Donc là je fais un petit tour vite fait, on pourrait venir presser ça, mais j'ai déjà pressé il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah là c'est quoi? Ici c'est des patates, non? Ou des betteraves? Peut-être betteraves, je sais pas, je pourrais pas vous dire, je reconnais pas comme ça. Après ouais, faucher, on a déjà fait. Les poulets, on pourrait faire les poulets qui ça doit être là-haut, je crois. Hein. Les poulets, ça doit se trouver là-haut. Si je me trompe pas. Oula, ok, je me disais merde, petit lag, mais non, pas du tout. J'étais juste resté coincé. Donc ouais, les poulets, c'est là. Bah tiens, pourquoi pas pour la prochaine fois? Pourquoi pas pour la prochaine fois, je crois que ça se situe là, mais il faut mettre les deux dernières versions. Donc je mettrai la toute dernière version, malheureusement je vais devoir tout recommencer. Donc c'est pour ça que je le fais pas maintenant, parce que si je fais ça maintenant, après je vais plus avoir mes vaches, je vais plus avoir mes cochons, je vais plus avoir tout mon grain, tout ça, j'ai plus rien à voir. Donc c'est pour ça que je préfère attendre la fin de la série pour le faire. Donc je vais le faire pour la prochaine fois, je vais essayer en tout cas. Et la laine passera. Ah ouais, attends, non, est-ce que je fais la laine avant les poulets ou pas? Non, je pense que je vais quand même faire la laine avant. Alors, est-ce que c'est bon? Non, c'est pas bon. Là, ça devrait être bon. Hein? Ok. Là, ça devrait être bon. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire en attendant? On pourrait... on va déplacer celle-là. Alors... Ok, donc j'ai ramené un petit peu le télescope pour ramasser ça. Je sais pas si je vais pouvoir la prendre, en fait. Là, je ramène ça, mais ça se trouve, je vais pas du tout pouvoir la prendre. Donc, on va essayer, on va voir. Alors... Du coup, comment on fait pour attacher je crois que je vais pas pouvoir, en fait. Non, je vais pas pouvoir. Alors, par contre, faut pas qu'il y en ait une qui arrive. On va prendre ça. Bon, c'est pas tout à fait adapté non plus, la pince, mais bon, on va prendre ça quand même. Je crois que de toute façon, j'ai rien. Ah si, je dois avoir les trucs pour les palettes. Mais bon, c'est pas grave, on va tester avec la pince. Hop,
On est des fous. Du coup, hop, voilà. C'est pour un télescope. Alors. Hop. On va du coup prendre comme ça. Puis on va la mettre de côté. Hein, puis on reviendra après. Tout mettre après sur la remorque pour la prochaine fois. Non. Hop. Voilà. Bon, c'est pas tout à fait comme ça qu'on fait en vrai. Mais nous, on va le faire comme ça pour. Pour simplifier, on va mettre ça là-dedans, tiens, on va mettre ça à l'abri à peu près. D'ailleurs, il y a une big ici. Ah, je sais pourquoi il y a une big. Parce que en fait, j'ai vendu la presse alors qu'elle était là. Et du coup, il y a une big. Parce que ouais, j'ai vendu un peu d'équipement parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup trop de... Ça laguait beaucoup trop sur la map, du coup, je pouvais plus... J'en avais marre, donc j'ai vendu un peu de matériel. Et honnêtement, ça va quand même beaucoup mieux depuis que j'ai vendu tout ça. Hein. Avant, c'était affreux, mais bon, là, c'est bon, ça va un petit peu mieux. Alors, hop, on va nourrir les cochons. Ah, les cochons, n'importe quoi. Les moutons. Mais ils ont ce qu'il faut. Ils ont ce qu'il faut. Combien de productivité? Alors, en productivité, ils ont... Non, les moutons, c'est de base. Donc, c'est là. Ils ont 0% maintenant. Ils ont clairement pas ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on pourrait leur mettre? On pourrait leur mettre de l'eau. On va prendre une tonne à eau. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme tonne à eau? Donc, ça va être dans divers, je suppose. Que je vais en avoir... J'ai tellement de modes qui me servent pas. Ouais, j'ai tellement de modes qui me servent. Alors ça, milk, non, water and milk, d'accord. Bon bah c'est bon, c'est celui de base, mais bon, il permet de prendre le lait et je crois que celle de base ne peut pas prendre de lait, donc c'est pas grave, on va quand même prendre. Hop, voilà. On réinitialise, on va pas perdre trop de temps. Alors, ah oui, il y a carrément mis dessus ce que ça peut prendre. Bon, on va laisser ça là, c'est pas un drame. Et on va du coup, on va aller mettre un petit peu d'eau au mouton. Je pense que la moissonneuse est pleine, mais bon. On ira voir ça après. Du coup, hein, ouais, c'est un peu un épisode... Ouais, ok, on peut pas le prendre. C'est un peu un épisode mixte, en fait. On va faire pas mal de choses dans l'épisode. Donc, c'est... Permet de changer. Dites-moi si vous êtes assez intéressé par ce genre de vidéo. Des vidéos où je change un peu de plus de tracteur. Donc, on va en prendre un. Bon, pas trop grave, on a de l'argent. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait se prendre? Qu'est-ce qu'on pourrait se prendre du coup un petit mode qui pourrait être sympa. Bon, tiens celui-ci, hop. Celui que j'utilisais pour Belgique profonde, c'est celui qu'on utilisait avec énergie pour Belgique profonde. Et franchement un super bon tracteur, je mettrai le lien dans la description pour ceux qui sont intéressés. Qui est super joli, super magnifiquement bien modélisé, avec deux caméras différentes. Donc si vous en voulez une, voilà, par contre des petits frisons. Ah, vous voulez en mettre une à la, comme ça, qui regarde comme ça, une qui regarde comme ça. Ça vous pouvez changer. Ah non, en fait ça la réinitialise. Ah bah merde, bon bah je pensais pas. Dans mes souvenirs, ça réinitialisait pas la caméra, mais apparemment si. Un petit peu dommage, mais bon c'est pas grave. En tout cas après il est magnifique même. En plus il a un... Bâti du chargeur, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Excusez-moi si c'est pas vraiment comme ça, mais bon. Hop, et du coup, hop, on reste vitaille. On va. Bon, tiens, en attendant, on va aller vider. Ah, de toute façon, en fait, elle s'est foutue dans la merde. Bon, tu vas quand même pas bien que t'as déjà fini de. Ah, bah si, presque en fait. Presque. Pas tout à fait, mais presque. Donc, du coup, on va finir ça tranquillement. Par contre, faut pas que j'aille trouver, sinon le. Le je sais plus trop quoi, enfin bref, en gros il se bloque, mais de toute façon, vu le peu qu'il y a en largeur, ça risque pas de se bloquer, hein, ça c'est sûr. Et du coup là-bas, il reste pas grand chose, je vais pouvoir le faire maintenant. Après j'ai un deuxième champ, oula pardon. Un petit peu fatigué, pourtant il est pas très tard, hein, il est que 21, mais bon. Bref, on s'en fout, ouais, petit freeze, hop. Du coup, il y a un autre petit champ de colza, enfin petit champ, il est quand même assez grand, qui est juste en face de la ferme, le champ numéro 1, je crois. Voilà, hop. Elle est bloquée, donc là, il faut aller là, et appuyer sur B, pour le débloquer. Bon, c'est un petit peu chiant, il y a des personnes qui n'ont pas ce problème-là, et puis moi, je l'ai, donc bon. Après, c'est clair que ça rajoute du réalisme, parce que je pense pas que les moissonneuses, ils roulent à 10 km/h comme ça, dans le champ. Je pense qu'ils vont un peu moins vite que ça, en vrai. Et bon, c'est très bien, mais bon, c'est un petit peu agaçant quand même quand tu veux aller assez vite et que t'as une barre de coupe un peu grande et que du coup, bah, tu dois aller encore moins vite. Mais bon, après, voilà, ça rajoute du réalisme, c'est quand même cool.
Et donc voilà. Donc je crois que la moissonneuse là, vous l'avez. Enfin, vous avez le lien dans la description pour ceux qui sont intéressés. Vu que ça fait longtemps que je m'en suis pas servi, donc voilà. Quand même une très bonne moissonneuse. Hop, du coup on a fini. Par contre, il va falloir que j'en mette un petit peu à manger. Alors, je sais pas du tout à combien de temps d'épisode on est. J'irai voir ça tout à l'heure. Mais je pense qu'on va nourrir les. On va nourrir les moutons, puis ça sera bon, hein, je pense. De toute façon, je crois que si mes souvenirs sont bons, il devait en rester un petit peu de mélange dans le. Alors, est-ce qu'il est éteint? Non, il n'est pas éteint. Je crois qu'il restait un petit peu de mélange dans la mélangeuse. Donc, on va pouvoir récupérer un peu ce qu'il y a dedans. Hop, on va attendre que ça se termine. Et on va pouvoir éteindre, ouais, parce que quand la moissonneuse est éteinte, c'est pareil, ça ne décharge plus, donc c'est encore très très bien, un très bon point qui rajoute du réalisme. Par contre, au niveau, attends, on va juste regarder ça. Non, il n'y en a plus. Ah, je croyais pourtant qu'il en restait, mais bon, voilà. Par contre, ça rajoute du réalisme, et par contre, au niveau pratique, c'est clair que c'est vraiment pas le cas. Par contre, j'ai l'impression que leur auge, elle est pleine, quoi. Ils se foutraient pas un petit peu de ma gueule, les moutons là. Bon, bref, hop, on va ouvrir. Ça va s'ouvrir de quel côté? Bah, comme par hasard, ça va s'ouvrir du mien. Ah non, ok. Attention le mouton. Ok, bah, il y a un mouton en moins déjà, c'est cool. Hop, alors par contre, je crois pas que je vais pouvoir vider les 6000 litres dans la petite. Oh, je sais plus comment on s'appelle ça, mais dans le petit machin. Oh putain, si, presque. Oh la vache. Ah ouais, donc. Ok, bon, on a vidé toute la tonne là-dedans. Je sais pas si on peut mettre plus, mais bon, apparemment ça rentre, d'accord. Ok, bon, pas grave. Hop, voilà. On va rentrer à la ferme. Du coup, on va leur mettre un petit peu à manger, je pense. Est-ce que j'ai encore de l'ensilage qui est pas trop pourri? Parce que, hop, on va mettre là. Parce que ouais, je sais que j'avais tout un silo qui était pourri, mais je crois que le silo qui est pourri, c'est au cochon. Donc mon glace ici, je crois que c'est bon. On va aller vérifier quand même, hein. Je suis pas trop sûr, mais je crois que c'est bon. Ok, j'ai un côté qui est tout pourri, mais bon, l'autre c'est bon, et c'est le plus grand qui est bon, donc c'est bon, c'est correct. Alors hop, on va prendre le télescope. Où est-ce qu'il est? Il est là. Hop, il est là. On le démarre et on va aller récupérer la petite fourche qu'on a là. Et du coup, c'est combien de billes? Je crois que c'est 4. Alors, est-ce que c'est 4 billes? Est-ce que c'est 4 billes? Bah non, ça va peut-être être que 2. Ah, je sais plus, merde. Non, ouais, je crois que c'est que 2. Donc, c'est 2 runes et 4 billes. Donc, on va en prendre 2. On va pas faire chargement automatique, sinon ça va être un peu galère. Donc, on va. Non. V, désactiver chargement automatique. On va appuyer sur X. Hop, voilà. Et on va mettre ça dedans. Je sais que ça, par contre, je sais qu'au niveau du foin, c'est 2. Et en paille, je crois que c'est. Je crois que c'est 2 aussi. Ouais, je crois que c'est 2 aussi. On va prendre les deux là. Hop. Et du coup, c'est. Bah, je crois que c'est bon. Alors, par contre, est-ce que je peux prendre l'ensilage avec ça? On va regarder ça comme ça. Mais je crois que non. J'avais souvenir que non. Pas prendre d'ensilage. On peut pas prendre d'ensilage. Par contre, on peut prendre du fumier. Donc bah. Oh, vous savez quoi, tiens, on va les curer. On va curer les vaches, parce que bah. Alors oui, par contre, je passe pas à travers. Hein, c'est ce que je pensais. On va curer les vaches, du coup, hein, vu que bah ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Et bah pourquoi pas faire ça, du coup, bah effectivement, vu que bah. Au lieu d'aller nourrir les animaux, vu que j'ai déjà fait sur la ferme du pain il n'y a pas très longtemps, donc on va curer un petit peu. Bah d'ailleurs, je crois que si j'avais dû le faire une fois, mais juste une fois, donc on va le faire un petit peu pendant un certain temps. On est en x 1, je sais plus à quelle heure j'ai commencé, il est 11h28 dans le jeu. Bon, on va aller jusqu'à 11h33, tiens. On va faire ça, de toute façon, je crois qu'il va y avoir pas mal de fumée, donc on va pas pouvoir un pâte. Pouvoir tout curer, mais bon, on va en faire un petit peu. Hop, voilà. Ah ouais, mais en fait, je viens de me rappeler que le j'ai juste de curer les animaux aussi sur la ferme du pain.
et il y a moins de temps que pour nourrir les animaux. Bon bref, on a fait une petite partie, voilà, on a rempli la mélangeuse, là on va les curer, bon on a fait un petit peu de tout. Du coup on va pas aller jusqu'à 33 parce que je crois que la vidéo va être assez longue comme ça je crois, donc on va aller jusqu'à 30. À 30, donc il reste même pas une minute. D'ailleurs je sais même pas pourquoi j'ai fait shift au tab tout à l'heure parce que vous en fait vous avez l'heure. Hein. Juste en dessous de l'heure in-game, vous avez l'heure réelle. Donc il est 20h08 en vrai. Je sais plus du tout quel mode rajoute ça. Faudrait que je vois. Bon, pire, c'est pas très grave, pas très important. Donc voilà, c'est bon. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ça change un petit peu d'habitude. Faites-le moi savoir si ça vous plaît, les vidéos comme ça où je fais un peu de tout. Peut-être pourquoi pas faire ça dans les prochains épisodes. Et peut-être pourquoi pas pour les prochaines séries aussi. Ça pourrait être sympa si ça vous plaît. Moi aussi ça me plaît en tout cas, après à vous de me dire, parce que si ça vous plaît et que ça vous plaît pas et que moi ça me plaît, bon, moi je vais peut-être pas faire ça, hein, parce que peut-être de temps en temps mais pas tout le temps. Donc voilà, donc laissez un like si ça vous plaît, et sur ce on se retrouve pour une prochaine vidéo sur ma chaîne, allez salut tout le monde.